Plus de 100 millions de disques vendus, près de 150 récompenses internationales et 23 singles classés numéro 1. Beyoncé est l'une des rares chanteuses à pouvoir prétendre au titre de superstar mondiale. La reine du R&B explose il y a 10 ans avec les Destiny's Child, le groupe féminin le plus vendeur de tous les temps. En 8 ans, elles ont écoulé plus de 33 millions de CD dans le monde. Mais en 2003, Beyoncé décide de se lancer dans une carrière solo et c'est le carton. Ses deux premiers albums se vendent à 17 millions d'exemplaires et lui valent 6 Grammy Awards, l'équivalent américain des victoires de la musique. Attention, la diva Beyoncé met le feu au plateau de la Star Academy maintenant. Beyoncé à la Star Academy ce soir. Bonsoir Beyoncé. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Nous sommes très très heureux de vous accueillir, surtout que vous êtes occupé en ce moment. Vous êtes très occupé. Vous venez de sortir votre album I'm Sasha Fierce, classé parmi les meilleures ventes aux États-Unis. Vous avez une tournée mondiale en préparation et vous trouvez le temps de venir chanter pour nos élèves de la Star Academy. Vous savez qu'Alice vous admire énormément.
Elle admire votre savoir-faire, votre générosité, votre carrière. Comment est-ce que vous l'avez trouvée? C'était très très bien. Elle est très belle et elle est gracieuse. C'est quoi le secret dans ce métier pour durer et pour être sur scène avec une telle énergie? Je crois qu'il faut de la passion. Il faut avoir beaucoup de passion. Il faut cueillir chaque occasion qui se présente, et je crois que c'est ce qu'elle a fait. C'est ce que font d'ailleurs tous les jeunes ici ce soir. Et le secret de votre beauté? C'est la beauté de l'intérieur qui brille vers l'extérieur. Il faut être heureux, et il faut être heureux de sa vie, dans son travail, et être reconnaissant. Le public l'est en tous les cas. Beyoncé avec nous à la Star Academy. À tout à l'heure pour votre sublime ballade If I Were a Boy. Beyoncé.